Il avait plu ce matin sur Montpellier et cette pluie intempestive n'avait quand même pas réussi à refroidir l'ardeur des joueurs de Montpellier qui se sont entraînés une dernière fois sous la direction de Robert Nouzaret. Ah. Vous êtes tellement content. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions parce que Robert était au début du club en 74-75. Il est encore avec nous aujourd'hui, donc c'est toujours assez émouvant, triste, mais quand même des moments heureux déjà de voir tout le club ici réuni, donc ça fait aussi plaisir. Après les mois difficiles qu'on vit, de se voir tous ensemble, donc c'est aussi important. Et je remercie Robert d'avoir fait ça, de réunir tout le monde. Donc c'est avec une pointe d'émotion aujourd'hui que Robert franchit la ligne de la retraite. Bon, il va quand même venir nous passer un peu l'entraînement ici au club, et j'espère qu'il viendra encore nous voir un peu. Donc je tiens à le remercier à ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, en tant que manager du Montpellier Hérault, en tant que directeur sportif du Montpellier Hérault, et puis la cellule de recrutement des jeunes qui a été mise en place avec mon père il y a quelques années, et où il a pris ça avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie, où j'espère que des jeunes venus par Robert et vous aussi qui l'ont aidé aideront le club à grandir encore plus tard. Donc merci à Robert, et sache que la porte de la PL sera toujours ouverte pour toi. Excusez-moi, j'enlève le masque parce que c'est difficile pour moi aussi. Autant je suis heureux d'être là, en voyant tous les visages qui sont devant moi, qu'ils soient féminins ou masculins, ce sont des gens avec qui j'ai toujours aimé travailler. Et quand on fait l'addition de ça, et que je fais le bilan de tous mes passages dans les clubs, je peux vous dire que Montpellier, c'est quand même unique. Et j'espère de tout cœur que ça continuera comme ça. Et quand je vois certains anciens présents et tout, et la volonté d'Olivier et de Laurent de continuer la même politique que notre regretté Loulou, je pense que vous êtes entre de bonnes mains et que vous prendrez encore beaucoup de plaisir et que le club aura beaucoup de résultats. Alors, vous imaginez bien que quand j'ai décidé de faire ça, je dis je vais faire un papier, je vais faire ci. Non, je vous parle avec mon cœur, je me suis régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir et je regrette beaucoup de partir à la retraite, même si je vais avoir 77 ans. Mais ce moment qu'on va passer ensemble, je ne l'oublierai jamais. Et je souhaite à chacun d'entre vous d'en vivre chacun à leur tour. Soyez heureux, soyez courageux et ayez beaucoup de résultats pour faire plaisir à Laurent et Olivier. Et ça continuera à marcher comme ça très longtemps. Le club de Montpellier, Rose Sport Club, après la paillade, et tous ceux qui ont connu cet épisode-là, il a été long, marqué de beaucoup d'embûches, marqué de beaucoup de joie. Mais quand on fait les comptes, on dit qu'est-ce qu'on était heureux. Voilà. Buvez un bon coup et à ma santé. Je te vois. Ouais, je vois tout le monde. Aïe. Merci. Dis le cycliste, viens. Donc mon fils Calabro, il m'a fait signer le contrat. C'est Robert. Comment la partie B avec Calabro? Robert, je suis heureux de te remettre ça de la part de tout le personnel qui a participé pour te fêter et te remercier pour tout. Merci. Avec un grand plaisir. Tu es comptable. Moi j'ai mis moi. Super. J'en ai un grand. C'est ça. Oui, je voulais aller pédaler avec. Merci. Pédaler, on t'a qui pédale. Hein. Toutes les marques. Parce que là, c'est pas celui de la photo spécialement. Hein. Je pourrais lancer un défi à fond ici comme ça. Loulou de la Paillade, ce quartier chaud de Montpellier, devenu le quartier foot de toute une région. Ah ouais, ça...